peux décider de m'occuper de mon cerveau en l'emmenant au Science Museum. Ce qui me fait me demander si c'est lui ou moi qui décide vraiment. Our past, present and future. C'est la devise du Science Museum. Ah, ne dites pas I'm looking for SM. Les gens ne comprendraient pas, ou mal. Même si vous pourriez aussi apprendre beaucoup de choses. Le Science Museum est un musée gratuit situé dans le quartier de Kensington, voisin de palier du National History Museum. Il expose une collection de plus de 300 000 objets, instruments ou machines témoins de la science de leur temps. Aristote disait « Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. » Il y en avait de la bonne, Aristote, hein. On peut entre autres y observer une série de machines à vapeur toujours en état de marche, des avions de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une collection d'instruments médicaux ou de satellites spatiaux, et suivre l'évolution des techniques à travers les âges. Si vous êtes fan de pistons, de boulons, de lubrification, d'arbres à câbles ou encore d'électronique, ce musée est pour vous. Mais aussi des choses aussi communes que ce train d'atterrissage d'Airbus A330 muni de cette notice, ce qui le rend aussi simple à monter qu'un meuble en kit suédois. Touche pas, éloigne-toi. Éloigne-toi, je te dis, qu'est-ce que je viens de dire? Dégage! Voici l'arrière-arrière-arrière-grand-père du four à micro-ondes. Ah, faites attention à ça, moi je suis resté bloqué 10 minutes. Hein. Voici donc la plus grosse montre du monde. Non, je plaisante. Les jours de pluie, vous pourrez aussi étudier le soleil. Le Science Museum possède un des systèmes de sécurité les plus efficaces au monde, puisqu'il est doté de missiles et d'une fusée spatiale américaine. De toute manière, des choses qu'il est difficile d'emmener avec soi. Hein. Enfin voilà, mais bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je sais que vous aimez réfléchir avec moi, alors c'est parti pour quelques bons dans la science. Are we aware of the true gravity of our situation? Is time running out or in? Does the moon rock? Why the gravity only pull? Can we really live in space? Vous aurez des réponses à toutes ces questions au Science Museum. Bon voyage!